On a invité des amis pour nous parler de leurs jeux qui ont marqué leur enfance. Bonjour, on est avec monsieur Jean-François Provençal. Salut. Que vous connaissez certainement pour son passé dans les appendices. Mm-hmm. Ça fait longtemps. Ouais, ouais. Mais maintenant, monsieur se donne en spectacle. Oui, je fais des shows, je fais de l'humour sur scène. Très cool. Ah ouais. Mais pour l'instant, on va faire du jeu vidéo, pas sur scène, sur YouTube. C'est ça. Donc, on est dans un nouveau segment, les amis. Ça s'appelle « On a invité nos amis pour nous parler des jeux qui ont marqué leur enfance ». Donc, plus simplement, O-A-I-D-A-P-N-P-D-L-J-Q-O-M-L-E. Oui. C'est important, les acronymes, dans la vie. Fait que là, toi, aujourd'hui, tu vas nous présenter un des premiers jeux que tu as eu? Non, le premier jeu que j'ai eu, c'était Mario à la NES. Oui, le NES. Le premier jeu que j'ai joué, par contre, c'était sur DOS. Ouais. Un genre de jeu de course, je me souviens pas du nom. Puis là, le jeu qui a marqué mon enfance, en fait, c'est Jurassic Park. Jurassic Park. À la Super Nintendo. C'est un des jeux que j'ai essayé de finir et que j'ai jamais fini quand j'étais jeune. Je vais me risquer pour ton jeu de course sur DOS. Est-ce que c'était Test Drive? C'est un jeu de course de F1. De F1? Ouais. Oh, j'y connais moins les autres. Mais là, on s'en va sur la SNES. C'est un très beau jeu, ça, oui. Je dois l'avouer. Fait qu'on va démarrer ça tout de suite. Bon, ben, JF, à toi l'honneur oui. De jouer à Jurassic Park. Ah, je pense que c'est le plus beau logo que j'ai jamais vu pixelisé d'un film. Hein? Il est très joli. Beau, puis là, t'as comme une souris, oui. Sauf qu'on n'a pas la souris en ce moment. Non, mais imaginez qu'il déplace une souris. Ça se contrôle full bang, hein? Mais pourquoi le jeu est compatible avec une souris? Ça, je comprends pas. Ben, ça cause. Ben, c'est quoi? Tu vas voir plus tard. Je vais voir plus tard. Okay. Mm-hmm. C'est bon, je te fais confiance. Fait que là, t'es le Dr. Grant. C'est ça qui est cool. Oui, puis là, t'as comme un fusil. C'est pas comme dans le film. T'as un fusil avec ta boire. Faut pas toucher à ça. Faut pas toucher à ça. Mais tu peux-tu. Regarde, tu peux l'ouvrir comme ça. Ok, bon, mais crime, c'est. Mais le voir. Ouvrir une porte avec un fusil. Oh non! Là, ça. Hein? T'es-tu mieux de te mettre sur le côté, genre? Ton fusil est déchargé. Ton fusil, il est déchargé. Regarde, c'est ça les jeux vidéo de 1993. Non, mais c'est ça. Au moins, ce fusil-là, c'est le fusil de base. Puis si je comprends bien, vu qu'il se recharge seul. T'as pas de munitions avec lui. T'as toujours accès au moins à ce fusil. Toujours accès à ce fusil-là. Ok. Là. T'as pas de bouton pour courir, hein. Fait qu'il faut juste que non, tu. C'est juste marcher. Okay, et voilà, marcher rapide. Marcher. Parce que tu sais, on sait tous quand il y a des dinosaures, personne court. Mais non, la marche rapide. Oh, regarde, là c'est Tyrannosaurus Rex par là-bas. Ok. Quelque chose de. Sifiliraptor, non, je sais pas. C'est le fun parce que ça se lit vraiment bien, je trouve. Ouais. Regarde les gros. Non, les grosses abeilles dinosaures. Tu peux-tu sauter? Tu peux-tu faire quelque chose? Oui, gars, sauter comme okay. ça. Ok. Bon, au moins, tu peux ramasser des affaires. Ok, c'est bon. Regarde, c'est ça. Il y a un œuf. Oui, c'est ça. Le but, c'est de pogner les œufs. Ok, fait que t'es un voleur d'œufs. Dans le fond, c'est pas pantoute comme le film. C'est que tu veux. Tu sais, ça. Là, le parc jurassique a chié, là. Mais tu veux quand même sauver les dinosaures pour faire un parc jurassique ailleurs. Ok, fait que c'est pour ça que tu veux les œufs. Oui. C'est pas comme le film. Qu'est-ce qui se passe? Là, gars, tu vois, ça, c'était le main feature, je trouvais, de ce jeu-là. C'était en 3D. Ok, c'est comme si on tombait dans Wolfenstein. C'est vraiment la même affaire, gars, check. Avec plus de dégradés. Plus de dégradés un peu. Il y a du poulet à terre. Pareil comme dans Wolfenstein. Il y a un ascenseur. Kitchen. Oh mon dieu! Hein? Oh non, j'ai-tu d'autres balles? Ah, shit, j'ai juste. Mais tu peux-tu t'approcher puis l'électrocuter? Je pense que c'est vraiment pas conseillé. Ouais, mais je pense pas que ça se tue. Non, c'est ça. Oh, t'es mort! Ben, ils ont des griffes, eux autres, hein. Puis nous autres, on a ça qui arrive. Ok. Oh non, il y a eux autres. Oh non, attends, qu'est-ce qui se passe? Do not shoot the Galliminus, they may stampede. Stampede, ça veut dire quoi? L'écraser. Il pourrait t'écraser, oui. Si t'es tir. Ok. Bon, merci, TQ. C'est bien la pub du. Kenner. Ouais! Voir dans le parc, genre, Mattel! Ben, j'imagine que c'est Kenner qui avait les droits pour les jeux. Il y avait les figurines faites par. Ouais, Kenner. Sûrement que c'est ça. J'avoue qu'en ce moment, on dirait que tu contrôles une figurine plus que le. C'est vrai, le fun des points, tu sais. J'ai 10 points. Yes! Donc, c'est la transition entre les vieux jeux vidéo avec les pointages qu'on s'en crisse, puis le moment où il arrête de donner des points parce qu'il se rend compte qu'on s'en crisse. Yes! J'ai des balles. De poche. Ah, c'est des balles! J'ai des balles de shotgun. Tranquilizer Dart. Ça, quand il y a ça, là, ça veut dire Raptor, mon gars. Ok, fait que tu veux pas aller. Do not go there. Do not go there yet. Do not go. T'as-tu déjà fini ce jeu-là? Jamais! J'ai jamais fini ce jeu-là. C'est trop compliqué, c'est trop tough. C'est pas fait pour des enfants, ça, là. Pourtant, le film.
Ben, le film n'est pas super family friendly quand tu y penses. Ben, 13 ans et plus. Ouais, c'est ça. C'est borderline. C'est pour des ados. Quand même de la violence, puis quand même effrayant un peu. C'est quasiment un film d'horreur. Ça, c'est le Visitor Center. C'était où est-ce que tu étais tantôt. C'est là, puis là, mais là, tu as ramassé les balles de shotgun. Exactement. Le gars, ketchup. Là, tu peux dire d'arrêter. Pow. 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 3 balles de fusil, puis toi. Bye, bye, le rap. Ah, il fait dodo, là. Il est pas mort. Il fait juste dodo. Ouais. Là. Là, tu peux te sauver la petite fille qui est cachée, genre d'un. Non, non, c'est discu. Elle est pas cachée. Il y a pas de. Non, ils sont pas là. Non, ça, ça rappelle la scène du film, mais c'est pas. C'était juste un rappel. Vite! Qu'est-ce qui t'a fait mal demain? Hey! Oh non, je vais mourir, fuck! Vas-y, vas-y, t'es capable, t'es capable. Là, il y avait un poulet dans l'entrée. Il y avait un poulet, c'est ça, je vais aller chercher le poulet. Crime. Vite, le bon poulet à terre qui goûte la salmonelle. C'est-tu un poulet frit? C'est-tu un Saint-Hubert? D'après moi, là, c'est juste une. Ça, c'est une cuisse. Ah, regarde, les points sont en haut. Yes, 50 points. 50 points, fiou! Hey, j'ai eu peur que. Ouf, on n'a pas perdu nos points. Ben non, point. Imagine, on n'a pas de points. Ben non, mais c'est un crime. Bon, c'est pas fou. Ah, ok. Hein? Là. C'est qui ça? Je sais pas. Puis ça se contrôle tellement bien. Les dinosaures peuvent-tu ouvrir les portes? Non. Peuvent pas ouvrir bon, les ok, portes. Fait que c'est pas comme dans le film. C'est pas comme dans le film. Là, c'est celui-là, tu prends un guess. Ah, tu t'es trompé de côté. Oui. Ok, oh, c'est bon, il est là. Il y a un health pack. Il y a un health pack. Ouais, mais ta santé, moi, ta santé, t'en aurais besoin un peu quand même. Ben, je pense que. On dirait vraiment un health pack de Wolfenstein. C'est vraiment inspiré Wolfenstein. Teinte, oui. You're. Ben avec moins de nazis, déjà là, c'est plus de. Do, ouais. Ben, je pense qu'on aime mieux ça. Ben, les dinosaures, c'est des espèces. C'est les nazis des animaux, là. C'est Night Vision. Night Vision Goggles, c'est. Hein? Okay. Je comprends pas. Ouais. Et là, je vais pogner les balles de Rocket Launcher. Ah, si, mais t'es en business. Ça là, dit pas... Protect from Heat. Ouais, okay. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu protèges du soleil? Le mur? Le mur. Protect from Heat. Access denied. You need John Hammond ID card. Merde. Mais on va-tu le voir, ce dude-là? Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment palpitant comme jeu. Je m'imagine pas jouer à ce jeu-là avec une souris, par contre. Ben, restaurant. C'est sur PC, keyboard avec mouse, ouais. Ça qui est fine, mais là, là-dessus, c'est quand t'as ta souris, c'est quoi, t'as ton gamepad à côté, puis tu bouges avec les flèches, c'est... Je sais pas. C'est bizarre. C'est vraiment pas... C'est sûr que c'était vraiment de la crotte, là. Oh non. Yes! Yes! Good job! Bon, good job. Là, c'est le restaurant avec les tables en sprite qui tournent. Ah oui, ils sont tout en face. Ils font toujours face à nous. Ouais. Ouais. Ça, c'est pratique au bout. Ouais. Refrigerator. Oh non! Ok. Mais là. Fiu. Ok, je vais repogner des balles. Mais là, est-ce que tu peux mourir de froid? Je pense pas. Ok, fiu. Bon, fait que là, on n'a pas la John Hammond card. On va aller voir le T-Rex, je pense. Parce que là, ouais, tu y es où, putain? Ben ouais, il y avait la petite panneau au T-Rex. Ah, c'est vrai. Puis en plus, on a le Rocket Launcher, fait que ça se peut. Je pense qu'on va y péter à gueule. Je penserais pas, mais... Non! Oh non. Ben voyons! T'as pas confiance en tes capacités? Ok. Là, c'est parce que là, des mains Stampede, là. Ah ouais, Stampede. Ah ouais, Stampede. Voilà, et voilà. Voyons. Mais pourquoi tu pourrais tirer, ils vont arrêter de te stamper? Non, c'est ça, tu peux pas les tirer parce que le petit gars il t'a envoyé une carte dans ta tête. Ok, le petit gars il veut pas. Oh! Non, ça c'est un T-Rex. Ben! Oh non, c'est pas un T-Rex, c'est des Velociraptors. Ah, je vais mourir! Mais non, mais tu sais, Chris, t'as ton gun. Je sais, mais je veux pas gaspiller mes balles. Ah, ouais, je comprends, mais tu peux switcher à l'électricité. Tassez-vous. Do not get close to the diffuser, the spit is deadly. Ben oui, il est bien fatiguant, lui. T'envoies des cartes dans ta tête. Ben oui, c'est bien bizarre. Zip. Attends, y'a-tu une map? Non. Start. Non, ça met sur pause. Oh non. Ah, oh, je suis mort. T'es mort! Mais là, tu respawn où? Sûrement à la sortie du Visitor Center. Ah, c'est chiant. Ok, ben là, on va aller explorer en haut le petit pont, là. Ok. Ah, là, ça, c'est chiant. Ok, je peux juste faire ça. Mais au moins, ça revient pas comme l'autre. Non, c'est ça. Tantôt. Ça, ils ont quand même bien fait d'installer ça dans le parc, hein, je trouve. Tu sais, il y a quelque chose qui s'active avec un fusil électrique. C'est ça, on dit pourquoi c'est pas juste un bouton. Non, t'as besoin du gun. Ah, bon, Ellie qui te parle. Ouais, The Patchy Palazzolos of Territorial World. Stay out of the way. Donc, ils sont très territoriaux, restent pas dans leur genre. Non. C'est eux autres? Ben, j'imagine. Ok, là, c'est quoi ça? Ça doit électrocuter. The Raptors are tape. What can you stop them, John Hammond? Donc les raptors se sont échappés, fais quelque chose. Ça c'est l'enclos des raptors, ça là. Ça tu veux pas y aller. Oh non. Ok. Mais comment? Les gros insectes. C'est-tu supposé être des insectes préhistoriques? Sûrement, j'imagine, ou c'est des grosses libellules vraiment gossantes. C'est comme, hey, je suis en train de chasser des dinosaures, trace-toi! Hey! Je t'occupe là! Non! Gars, ça dit non! Mais tu y vas pareil. Ouais. J'y vais pareil. Écoute, on a juste une vie. Ben en fait, non, c'est pas Raptor Pen, entry level. Ouh! Fait que tu vas être là-dedans, genre?
Ça endort-tu tout le monde? Que ça fait? Ça fait rien, on dirait. Mais je pense que tu vises direct dessus. Ben, j'ai essayé. Mais c'est parce qu'il arrête pas de bouger! Je sais, là. Mais il te voit pas, étrangement. Okay, ça reste comme dans Frogger. Voyons, c'est bien compliqué! Hey, toi! Ah! Oh! Ok, il est mort. C'est bon, on est correct. Finalement, il y avait rien dans sa salle. Hey, cette pièce-là, elle sent ça à quelque chose, tu penses? Ah, rien, mais c'est dur à dire avec la texture du mur. On dirait qu'il y a des pitons partout, mais... Ouais, fait que l'architecte, il s'est dit, ah, dans cette pièce-là, on va juste mettre des genres de panneaux tout rouillés, puis des pitons, là, puis plein de pitons, là. Plein de pitons, plein de panneaux rouillés. Vous avez besoin d'une salle de panneaux rouillés, puis plein de pitons. Puis aussi, probablement, y a-tu comme un mur qu'on peut ouvrir, là, tu sais, des fois, y a comme... Ah, y a-tu des murs secrets, comme dans Wolfenstein, tu penses? Ouais. Tu sais, je me demande comment ils découvrent ces murs-là dans Wolfenstein. T'sais, c'est-tu comme genre, c'est-tu comme un coup de bassin, ils donnent. Pas mal, ça fait. Je sais pas. C'est sûrement c'est ça. Ouais. Garde, oh, attends, l'ordinateur. C'est quoi l'ordinateur, ça? L'ordinateur. Ah! Load error main system down action before just generator plutôt, before trying to reboot system. C'est des pitons, fait. Oui, 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 oui. Non, regarde, delete. Ah, non, F1. Mais là, ça, c'est le virus de Newman dans Seinfeld qui fait fucker toutes les ordi. Exact. Sûrement. Mais oui, c'est lui. Là, où c'est qu'on s'en va? Oh my god. Ben, il y a un ascenseur. Ben, ouais. Avec les beaux murs mauves et les speakers. Pam, 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 pam. Warning, night vision. Ah! Tu peux pas te risquer, parce qu'on voit absolument rien. C'est pas, il fait un peu noir. Il fait fucking noir. On y va. Ah, tu vois, t'entends des dinosaures. Oh my god. Ah, tu ressors dehors? Parce que t'as pas les lunettes. Je suis mort. En fait, ils m'ont dévoré. Ah, ok, ok. Va checker, il est où le T-Rex sur internet? Je vais aller le voir. Ah, mais là. Je vais aller le voir. Tu sais pas, il y a où tout ça? Ben oui, c'est sûr. Tu dis where T-Rex? Where T-Rex? Ok, ok. Be careful around blind corners, the T-Rex is free. Fait que là, regarde, elle nous avertit. Oh wow, ok, ouais, il va être à gauche à un moment donné. Ok, mais où? Sorry for the low quality. Je m'en crisse. Montre-moi ça, full screen. Montre-moi le T-Rex, il est où? On veut montrer le T-Rex au monde! Ben voyons. Chris, il en a fait des affaires, lui. Le T-Rex, c'est-tu le boss de la fin? Ah, là? Ça se peut. C'est un jeu, là. On va fouiller. Gars, c'est un des premiers open world. On va se le dire, là. Ben oui, un open world, mais sur une île fermée. Ouais. Mais okay. Tu peux faire ce que tu veux. C'est-à-dire les affaires qu'on te propose. C'est ça. Tu les Mais non, je peux pas. Ils sont full territorial, ils l'ont dit. Ok, fait que tu peux pas être tué parce qu'ils veulent pas. Oh non! La bébite, le gros moustique, youpi, youpi, youpi. Bon, ok, ah, je vais collectionner un œuf. Bon. Ok, comment qu'on fait là? C'est comme ça. Piton, là, pour ramasser à terre. Yes. Il en reste juste 17. Ah, juste ça. Tintin, les dinosaures. Fait que toi, quand t'étais jeune, est-ce que tu trippais dinosaures? Oui, j'avais. Oh non, faut que je le ramasse. Non! T'es mort! Non! J'étais à côté d'un medpack, oh, maudite affaire. Fait que tu vas repopper au début? Vite. Ah non! Là, Jean-François, fais attention! Je comprends pas pourquoi j'aimais ce jeu-là. Ouais, ben. Moi non plus. Pour vrai. Je pense que t'aimais plus le film que le jeu. Ouais, en j'aimais fait, plus me promener et faire comme oh my god, y'a les dinosaures, ils sont là, waouh! Mais en termes de gameplay, c'est pas extraordinaire. Non. Genre, tu sais pas quoi faire, tu sais pas où aller, c'est très. Ça marche pas. On peut arrêter ça là si tu veux. Non, je veux quand même. Tu veux quand même trouver. Bah, regarde, faut au moins quelque chose de significatif okay. Là. Tu sais. Mais trouve-moi un T-Rex là. Mais je vais aller voir au moins un Triceratops ou quelque chose là, tu sais. Hein, eux autres aussi. Ah non. Non. Ah ouais. Mais c'est des dalles de quelque chose. T'es mort. Ben voyons, t'as-tu des vies à l'infini? Non. Je pense que tu finis? Oui. Gars, ça dit. Ah, mais tu peux continuer. Ouais. Bon, on va essayer. On va essayer de voir. Oh, regarde, je recommence à la même place. Ah, c'est ça, c'est un vrai continue. Bon, ok. C'est pas un start over again. On va aller là-bas, C'est parce que j'avais tellement fait de chemin là-bas. Je marche avec mon chapeau, j'ai un gros fusil, je pitche des balles de fusil sur les moustiques. Je saute par-dessus les affaires électrifiées que les dinosaures sont trop niaiseux pour sauter par-dessus. Là là, les vignes, ils font mal. Pourquoi? C'est pas des roses, c'est des vignes, c'est pas important. Y'a les raptors, j'ai un fusil, je m'en fous de tout. Da-di-dou, le piton pour ramasser, c'est pas celui pour tirer, il est mélangeant. Où les petites cartes qui apparaissent dans ma face? Je les lis pas parce que je m'en fous. Ouh! Ok! Les dinosaures sont ici. C'est ici que je suis mort tantôt. Mais là, je suis de retour pour vous faire peur avec mon. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Avec mon petit fusil. Parce que comme mes contrôles étaient comme inversés. Hein? Ouais. Okay. Mais merci pour la chanson. De rien. Oh, un F! Qui va en conséquence. Et voilà, les os, les... Oui, les... Oh, non, 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 non.
Mais on voit rien quand on se la crise de pancarte. Je sais, c'est terrible. Je me demande c'est quoi la critique Metacritic de jeu. Je peux aller voir. Ouais, ouais, j'aimerais ça. Je sais pas s'ils sont sur Metacritic. Regarde, il y a des fous des fois qui vont Metacritic. Ah non, mais il parle du film là. Non, pas le film. Non, on veut le All jeu. All the best every platform. Les dinosaures. Boum, 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 boum. Tiens. Ben, j'ai une review sur GameSpot. Ah, quoi? Faut que je saute par-dessus le dinosaure. Ouais, c'est quoi le review? 7.1 sur 10. Et pipi, c'est quoi les commentaires? Y a pas comme un résumé à la fin? Ouais, des fois. An unappreciated game for the SNES. An enjoyable game. It's fun trying to survive in places with a lot of dinosaurs. Dinosaurs. Oh, Kiki! Mais c'est pas... Yeah. C'est pas un vrai review. C'est comme une moyenne des... commentaires. Il y a pas un vrai GameSpot review. Le piton pour ramasser, c'est celui-là. Je me mélange tout le temps. Oui, je sais, mais c'est parce que les pitons sont compliqués. Voyons. Bon, 15 œufs. Bon, 15 œufs. Là, je pense qu'ici, là, c'est le Triceratops. Que... Bon. Pas mal sûr. Peut-être yeah. Ah! Mais là. Je sais. Caché, mais tire dessus. Mais non, ça juste... dit juste run. Tu peux pas tirer. Ok, faut le laisser vivre. Ouais, faut le laisser vivre. Vive et laisser vivre. Vive et laisser vivre le Triceratops. Parce que lui, c'est un herbivore, pas comme les raptors. Hey! Oh non, j'en recommence tout le temps cette maudite place-là de crotte. Attends, je suis allé en bas de la map au moins aller voir. C'est bon, c'est bon. Moi, je écoute, t'es le bienvenu ici. Tiens. Ça va juste être plus long à monter. Ah, ça sera pas plus long. Tu vas juste garder les tunes. Oui. Bon. Fait qu'à date. Vite! Oh, tabarnak! Tu sais, c'est ça. Regarde, c'est les jeux vidéo nous apprennent la patience. Hein. Oui. Il faut attendre que ça load. Ah ouais. Pis c'est quoi les étoiles à droite? C'est-tu que ça... Ça, c'est mes balles de fusil qui font... Ah, ok. Parce que t'as deux guns. Tantôt, on avait le gun aussi de fumée qui sert absolument à rien. Ah. Ouais. Pis là, tu peux switcher ton main weapon. Tu peux switcher. Mais pas ton second. Pa! Il est mort! Oui, mais là, faut sauter par-dessus parce que. Quoi? Ben, parce il fait que... mal quand tu piles dessus? Non, non, c'est juste que. Ils prennent de la place? Ça gosse, ouais. Ok, c'est bon. Il y en a un autre en bas, non? Oui. On a halluciné? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se cache? Non, il est juste caché. Guy là! Maudit. Pour vrai, c'est sûr que tu te fais toucher une affaire par un dinosaure si tu meurs. Je veux dire, c'est comme. Mais ça prend un poulet, je me suis fait scratcher par un tigre. Fuck, sont une gang! Je sais! Vite le head pack! Ah, tabarnache! Oh non! Pourquoi? Courage, Jean-François, okay, je crois en toi. Une dernière tentative, puis si je l'ai pas, on arrête ça. Ça va être scrap. Regarde, on scrap ça là. Là, tiens-les, puis après ça, concentre-toi. Pas de temps, go! Oh non! T'es resté bloqué! T'es correct. Pfiou. Jurassic Park. Ta-da-da! Ouf! Ok, là, ça suffit le mirage, là. Oh non! Ben là, ils sont vraiment fâchés après toi, là. Ok, juste une dernière. Peut-être si t'étais déguisé en dinosaure. Y a-tu un costume de dinosaure quelque part? Tu pourrais passer inaperçu. Là, parlant de Jurassic Park, toi, t'as-tu vu les nouveaux, là, Jurassic World? J'ai pas vu le dernier. J'ai pas vu. Ils en ont fait deux déjà, hein, je pense. Ah non! Il y en a un qui est prévu, je me souviens. Hey, je l'ai tué avec mon fils électrique. Ouais, c'était supposé une trilogie, mais là, c'est tellement pas bon que je pense pas qu'ils vont faire. ils vont juste arrêter. Bon, ben c'est ça. Regarde, bon, c'est pas... Bon, mais on va faire pareil comme eux autres. C'est un super bon jeu, jouez à ça, c'est super le fun. Vous allez voir du plaisir pendant le temps des fêtes. Yeah. Du plaisir pendant n'importe quelle été. Continue. Non! Sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Ah, vas-y. Je vais aller à l'arcade, m'a mettre 50$ dans les jetons, m'en aller jouer à Jurassic Park, m'a tout gonné dinosaure. C'est ça, m'a faire. Tu vas bien. T'es-tu mauvais perdant, toi, dans la vie? Non. Sauf dans les jeux vraiment frustrants comme ça. Donc, Jean-François, c'est le temps de la plug. On plug quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, écoute, plein d'affaires, là. Suivez-moi sur Instagram. Sur Facebook. Je vais mettre des affaires, là. Je vais écrire des affaires en bas. Facile, l'Instagram de Jean-François. Add Jeff Provençal pour tout. Ben, oui. Super easy. Ton réseau social favori, je suis dessus. Ben, cool. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo-là. Je te souhaite un bon temps des fêtes. Toi aussi. Puis si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce par en haut. Puis partagez. Soyez heureux. Ben, ouais. Et à la prochaine. Okay, bye. Bye.